Recoucou et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. Alors je viens rapidement, voilà, vers vous, vis-à-vis de ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on parlait d'une évacuation donc au Japon vis-à-vis d'un typhon. Donc une de mes abonnées m'a envoyé un mail, donc j'ai pu le lire. Et effectivement, j'avais sorti il n'y a pas très longtemps ces cartes-là. Voilà, quelque chose de dévastateur. Vous avez sorti ceci aussi. J'avais dit qu'on en parlerait au niveau de la communication du message, donc avec comment dire, l'oracle de l'arbre de vie, et je vous avais parlé d'accident. Donc là, on voit, comme je l'ai dit, elle était sortie dans ce sens-là. Hein. Donc on voit, je vous ai expliqué comme ça, hein, c'est cassé, il y a une branche de cassée. Et de l'autre côté, si j'aurais sorti comme ça aurait été, comment dire, accident moins grave. Voilà. Alors, comme je ne sais pas faire les liens. Et c'est sur cette vidéo qu'on m'avait mis, une personne m'avait dit qu'on parlerait comment dire, d'une météorite ou je ne sais pas quoi là qui arriverait sur la Terre. Et bien en fin de compte, ce qui est représenté ici, d'accord, au niveau de ce typhon donc au Japon, hein, quelque chose de dévastateur. Là il y a marqué la tornade, mais bon. On ne se fait pas trop à la tornade, on se fait aussi au graphisme et quelque chose de dévastateur. Qu'on en parlerait donc à travers les médias et que ça casserait au niveau du matériel, etc. Puisque des personnes ont été évacuées. Donc si ce typhon touche vraiment donc une partie du Japon, eh bien oui, il y aura des dégâts au niveau du matériel et j'espère pas au niveau du vivant. D'accord? Donc comme je ne sais pas mettre les liens, donc voilà ce que m'a dit une abonnée qui est revenue sur ce que je vous avais dit il n'y a pas très très longtemps. D'accord? Avec celle-ci, quelque chose de dévastateur. Voilà. Là, il y a marqué dépression, ça dépend des tirages, etc. Je vous avais dit aussi qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas bien non plus en ce moment. Et cette carte aussi. Donc, si ce typhon touche une partie du Japon où des gens ont été évacués, il y aura des dégâts matériaux vis-à-vis de ceci, la branche qui est cassée. Et elle aurait été sortie dans ce sens-là. Voilà, c'est pas trop important. Donc, il va y avoir des dégâts au niveau du matériel et je n'espère pas au niveau du vivant et j'ai pas envie de le savoir. Et on va l'apprendre. D'accord? Donc voilà, ça ne dure pas très très longtemps. Donc comme promis, je vais revenir vers vous. Voilà. Je reviendrai vers vous pour un autre partage, comme on dit, un peu plus sympathique. Voilà. Voilà ce que je voulais donc vous dire avec l'oracle de l'arbre de vie. Comme quoi qu'il y ait des ressentis qui sont quand même malheureusement vrais pour des choses qui ne sont pas non plus spécialement bonnes à dire. D'accord? Donc on en entendra parler dans les médias et la communication. Voilà. Donc cette vidéo ne va pas durer au-delà de 5 minutes, donc j'en suis désolé. Nous verrons aussi avec les messages des anges, etc., etc., voir un petit peu aussi pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais faire. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ceci. Voilà, donc si vous voulez revisionner des vidéos, comment dire, des précédentes vidéos, vous verrez voilà, ce que j'avais vu. D'accord? Avec celle-ci aussi qui était sortie. Quelque chose qui va être dévastateur. Voilà.
Donc, on peut faire le lien avec ceci. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vous retrouverai plus tard pour voir un petit peu les énergies de la semaine prochaine. Et puis, donc, je vous fais des bisous et profitez bien de votre journée. Bisous, bisous.